Alors, la bonne nouvelle, c'est que cet été, si vous êtes de passage à Saint-Dié, vous laissez votre voiture ou au garage ou en périphérie de la ville et vous prenez le bus gratuitement pour parcourir tous les quartiers de la ville et vous rendre à l'ensemble des manifestations organisées par l'équipe municipale tout l'été en grand. La gratuité de ce service est mise en place, bien sûr, par la communauté d'agglomération, puisque c'est elle qui a la compétence en matière de transport sur la ville de Saint-Dié. C'est une expérience qui a déjà été faite l'année dernière, qui a permis de faire découvrir aussi bien aux touristes de passage à Saint-Dié que surtout aux gens des quartiers ou aux diverses personnes qui n'avaient jamais pris le bus à Saint-Dié, qu'il existait un moyen de locomotion très simple, durable, qui permet de connecter les quartiers de la ville, extérieurs de la ville au centre, mais également de les raccorder à la gare SNCF et donc à l'ensemble de l'accès du réseau de transport de la région Grand Est ou de la France. Les effets positifs de cette proposition, c'est qu'en 2016, les fréquentations à partir du 14 juillet ont augmenté sur l'ensemble de l'année de plus de 8,58%, c'est-à-dire plus de 37 000 voyageurs à l'année, ce qui est considérable, et que d'ores et déjà, sur le début de l'année, on constate une amélioration du trafic par rapport à 2016. Donc nous sommes dans une logique d'augmentation de la fréquentation du réseau urbain, ce qui est une très bonne chose pour nos poumons en cœur de ville.